Eh bien bonjour à tous, vous l'aurez compris aujourd'hui, le jeu du respect et de la citoyenneté, le roller football est présent à Nantes, au skatepark de Nantes, plus connu sous le nom du hangar. On se retrouve juste après avec les enfants et les responsables de ce site. A tout de suite. Vous connaissez tous l'aspect transdisciplinaire de ce concept éducatif. Aujourd'hui, nous allons vous prouver l'adaptabilité de ce projet, puisqu'il n'y a pas de ligne de touche sur l'espace de jeu. Il n'y a pas de but non plus, on a matérialisé le but par deux bandes noires. Les enfants puissent se repérer. Il n'y a pas de zone également pour le gardien de but. Les petits pointillés noirs nous aideront à repérer cet espace de jeu. Le reste sera expliqué comme d'habitude pour les enfants. Des enfants d'âge primaire et collégien sont attendus dans l'espace de jeu dans quelques minutes. On se retrouve juste après avec eux ici même pour jouer. Un jeu qui existe depuis 6 ans. Je n'ai pas dit le mot sport exprès, c'est un jeu. Et vous allez voir que ce jeu, en le pratiquant, on va apprendre des choses importantes comme le mot du respect. Le mot de respect, vous l'entendez souvent avec vos parents, avec les éducateurs, à l'école, partout. Et ce mot de respect va être très important pour nous. On va être de plus en plus respectueux, plus on va jouer ensemble. Un exemple très précis, que le but c'est que je parle le moins possible et qu'on joue le plus vite possible. On a une heure à passer ensemble. Si je parle mal, je n'ai pas donné un exemple, vous savez ce que c'est. Soit une insulte, soit un nom d'oiseau, soit un vilain mot. On peut perdre des buts à cause de ça. Et à l'inverse, à la fin de chaque rencontre, on va additionner, comme en mathématiques, le score de jeu, je prends l'exemple 3 contre 2, ou 3-2 pardon, après le score de comportement. À faire preuve d'un comportement et d'un état d'esprit irréprochable. Pour cela, je veille à la meilleure communication possible avec l'ensemble des participants afin d'appliquer les règles du jeu. Allez, deux. Au tout début, il y a eu un gros mot prononcé par un jaune quand c'est le premier top. Je dis pas le mot, je dis pas qui c'est, peu importe, c'est l'équipe jaune. Ensuite, il y a quelqu'un qui a fait tomber un jaune par là-bas. Le jeu a continué sans le relever. D'accord? Hop, non, c'était ici. À l'instant, effectivement, il s'est excusé, mais le jeu a continué. Donc là, c'est pour vous expliquer. Il fallait arrêter la balle. Et je m'excuse, c'est bien. Mais en plus, je redonne la balle. Puisqu'en fait, je l'ai fait tomber exprès ou pas exprès. C'est pas ça le plus important. Et voilà, donc la balle, je la récupère. J'ai mes copains, stop, on arrête, on récupère la balle. Et on rejoue en roi de la faute. Donc là, je m'excuse deux fois. Je m'excuse, déjà en relevant le copain qui est tombé. Et c'est l'adversaire, on joue avec lui, d'accord, on joue pas contre lui. Et après, je vais prendre la balle et je donne la balle à l'endroit où il est tombé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tous les tops, tous les plus hauts jaunes, j'ai de rêve. Moi, sur ma feuille, je les ai gardés. Les rouges vont avoir la possibilité de marquer un but qui compte double. Le fameux shoot roller. Donc les rouges, vous marquez sur quel côté? J'ai oublié. Vous tirez là? Non, non, c'est la raison. Vous tirez là. Donc tous derrière la ligne. Tous là-bas, sauf le gardien jaune en place. Jaune et rouge, tous ici, je vous rejoins. Ryan, tu partiras avec la balle tranquillement. Tu tires avant les pointillés noirs ou dans les pointillés noirs. Ok? Donc, vous êtes prêts? Vas-y. Donc, tu as Ryan. Tu peux rouler à côté de la balle. Voilà, tu la suis. Pousse-la encore un peu. Allez, cool. Encore, pousse-la encore un peu, prends des dents. Attention. Merci Sylvain, donc le directeur du skatepark Le Hangar de Nantes. Merci Cédric, qui est le directeur pédagogique, on peut dire, de ce lieu, de nous avoir accueillis cette semaine. On a fait deux après-midi un petit peu empiriques, mardi et aujourd'hui, avec différents quartiers de la ville de Nantes. Et ça s'est très très bien passé, puisque les enfants ont découvert ce concept socio-éducatif grâce à vous. Donc les valeurs qu'on partage sur ce concept et les valeurs que vous avez au niveau du hangar, grâce à notre affiliation commune, je veux dire, celui de l'enseignement, nous ont permis de travailler ensemble et j'espère qu'on pourra le refaire prochainement. En tout cas, c'était avec plaisir et merci beaucoup de votre accueil. Pas de problème, c'était très agréable pour nous. Donc c'est vrai que ça nous tenait à cœur en fin de compte de mettre ça en place avec la FAL et puis donc avec votre structure de roller football et du jeu du respect, parce que c'est un peu les valeurs qu'on défend depuis maintenant 10 ans au sein du skatepark, au sein de la ville de Nantes. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'accueillir les quartiers de la ville de Nantes et mixer un petit peu les quartiers à cette activité, à ce petit jeu, pour en fin de compte continuer à développer nos valeurs au sein du skatepark. Oui,
Et par ailleurs, pour nous, on l'a positionné en action prioritaire sur 2011. Donc c'est un jeu que l'on va développer, que l'on souhaite à la fois faire découvrir et faire progresser à l'intérieur de nos activités, avec d'autres villes, hein, pas qu'avec le service animation de la ville de Nantes. Le service animation de la ville de Nantes, travaillant sur des quartiers un peu plus délicats, on va dire, ça nous permet effectivement de toucher des publics et d'avoir une mixité sociale qu'on ne trouverait pas autrement. Mais on veut aussi l'étendre aux centres socioculturels, l'étendre aux autres villes de l'agglomération nantaise. Et puis, on espère pouvoir aussi faire des équipes, des tournois, etc. Avec un temps fort aussi l'année prochaine, à l'occasion de nos 10 ans, puisque l'année prochaine, on aura 10 ans d'activité sur ce parc. D'accord. Là, on a quasiment un scoop. Voilà. Donc, merci, je prends cette perche. Et j'espère qu'on pourra fêter ces 10 ans ensemble.